tour suivant, vous n'avez pas le soleil avec vous. Au match aller, vous allez donc affronter le Steaua Bucarest qui n'est à cet instant-là que l'ombre de son histoire. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais aussi un adversaire redoutable. Pour quelle raison? Ils étaient champions d'Europe. Hein, ils ont gagné deux ans avant. Mais déjà, je pense que l'équipe, notre équipe, a gagné sur confiance. Beaucoup, beaucoup. Hein, vous savez, en championnat aussi, ça a bien marché. Pas mal au départ, bien sûr. Bien sûr, l'équipe, elle était prête à affronter maintenant n'importe quel adversaire. C'est ce que je pense. Mentalement, elle était prête. Et dans la préparation, toujours, on a fait beaucoup attention sur la concentration, dans le travail quotidien. On a fait beaucoup attention sur la solidarité et aussi, bien sûr, l'agressivité qu'on devait avoir dans les compétitions européennes. Donc, ce que je voulais dire, sans parler de la qualité individuelle des joueurs, hein, footballistique, parlons, hein, c'est-à-dire que certains joueurs ont quand même représenté une grande qualité. Ils ont prouvé, après, hein, dans la continuation, parce que deux ans après, quand je suis parti, il y avait quand même une continuation, et bien sûr, et certains joueurs qui sont partis, ceux qui sont partis déjà parce que, avec l'âge, ils sont partis, mais la carrière qui a confirmé, c'est Laurent Blanc, hein, qui a fait une carrière exceptionnelle, bien sûr, en jouant dans les meilleurs clubs d'Europe. Hein, et aussi, notre force, ce que je pense, dans cette compétition, c'était les joueurs milieu de terrain. C'était les poumons de l'équipe. Et je vais citer les noms, parce que Jean-Claude Lemou, Souvrine Wilfried, et aussi Valderrama, les trois, ils étaient très complémentaires. Hein. Et puis, bon, dans le travail quotidien qu'on a fait, on a toujours bien les utilisés, et chacun jouait son rôle. Bien sûr. C'est pour vous le socle? C'était pour moi le socle de l'équipe de Montpellier. Après, bien sûr, il faut souligner aussi un joueur aussi d'exception qui a dirigé la défense, c'était Laurent Blanc. Hein. On a eu, après, les deux latéraux de grande qualité aussi, Colté et Baïs, et Pascal Baïs et Lucchesi, du côté de gauche. On a renforcé de temps en temps en changeant tactique. On a mis Colter aussi, non? Et après Tétis qui a joué. Et je l'ai pris de Racing Paria avec Blondeau aussi. Et donc, après, il y a Desacarion qui a gagné sa place, hein, par sa volonté de bien faire, par sa, je dirais, son agressivité, par... Il était un joueur quand je l'ai considéré comme, à l'époque de ma période, que je jouais au football, Beckenbauer, Laurent Blanc et Schwarzenbeck et Listoper. Donc je les mariais tous les deux. Et ça donnait ce qui a donné. D'ailleurs, pour revenir juste un peu chronologiquement, ce sont les deux joueurs qui avaient particulièrement impressionné Robson à l'issue du match retour au Philips Stadium où vous étiez qualifié. Il l'avait souligné. Tout à fait. Alors, bon, aujourd'hui, il y a prescription, encore que pour les plus jeunes comme pour les gens de notre génération, le souvenir est intact de ce match contre Bucarest dans des conditions absolument dantesques. Henri, pensez-vous aujourd'hui, vous êtes autorisé à dire le fond de votre pensée, pensez-vous aujourd'hui que ce match était jouable? C'est toujours difficile à dire. Hein, de toute façon, j'ai passé au moment encore, surtout dans une compétition plus importante, comme la Coupe d'Europe, parce qu'en Coupe du Monde, hein, en Allemagne, en 1974, la Pologne... Hein, on est troisième avec la Pologne, oui. Hein, mon équipe a joué, bien sûr, on a joué sur le terrain inondé complètement,
complètement. Là encore, à Montpellier, bon, avec l'appui, et les terrains, il était encore jouable. Mais là-bas, en Allemagne, c'était impossible à jouer au sol, surtout les ballons. À terre, les ballons, ils ne roulaient pas. Donc, mais si l'arbitre il a pris cette décision, bien sûr, ça veut dire qu'il avait des raisons. Puis vous savez, c'est toujours difficile à ne pas jouer, sauf vraiment ces situations catastrophiques, atmosphériques, qui obligent à arrêter les matchs. Mais dans ce cas-là, bon, je pense qu'on est arrivé jusqu'à la fin avec très belles prestations, parce qu'il faut dire que marquer 5 buts hein, à domicile, et puis, dans quelle manière hein, bien sûr, parce qu'il y avait une équipe bien variée. L'équipe, on parle de notre équipe, parce qu'il y avait la jeunesse, hein, il y a Castro qui a rentré, il y avait certains jeunes joueurs qui sont commencés à taper à la porte de cette équipe, bien entourés, bien sûr, par les anciens, par ceux qui jouaient au départ, qui étaient formés au club, etc. Donc, ça commençait à être intéressant parce que quand on gagne et quand un coach il fait un changement et il a réussite, etc., après, ça donne ce qu'il a donné, facilité. Ça a quand même dépassé ce que vous attendiez. Parce que vous avez maintes fois souligné, Henri, que le socle aura été votre milieu de terrain, mais aussi vous avez senti à l'issue du match contre Eindhoven au tour précédent, aux Pays-Bas, là, mentalement, on va pouvoir aller peut-être loin. Mais quand même, 5-0, c'est au-delà de ce que vous espérez. Oui, et en regardant un petit peu nos joueurs, c'est vrai que quand on regarde notre potentiel offensif et défensif, il y a quand même, on a eu plus de moyens hein, défensivement qu'offensivement. Il est vrai que si j'enlève encore Valderrama dans le match aussi important, ça veut dire que c'est un choix. Parce qu'on pouvait perdre ces matchs, on pouvait être éliminé. Mais après, on s'est dit, on a bien fait quand même. Parce qu'offensivement, on a besoin Valderrama à domicile. Il est plus, je dirais, valable hein, par ses qualités offensives qu'il possède. Là, on va plus défendre et on va jouer la contre-attaque. Donc, ce n'est pas les mêmes choix parce que c'est vrai, à domicile, on est obligé de faire attaque des positions, c'est-à-dire quand on rentre dans la moitié de terrain offensive, eh ben, il faut bien circuler la balle, il faut jouer avec des ballons techniques, il faut trouver des solutions, des combinaisons offensives, etc. Et là, extérieur, c'est plus hein, un petit peu, on recule, on fait la meilleure récupération du ballon possible, et on cherche, bien sûr, l'espace libre, la contre-attaque pour surprendre l'adversaire, ce qu'on a réussi parfois, surtout hein, dans les matchs à extérieur, à Old Trafford. Parce que là, on va discuter. Parce que là-bas, bon, je pense qu'on a même mérité à gagner ces matchs. Oui, on y reviendra. Oui. Henri, vous n'avez jamais eu la réputation d'être une personnalité, d'être quelqu'un d'extrêmement expansif, ouvert. Vous êtes plutôt d'un caractère assez retenu. Alors, j'aimerais savoir, parce que j'ai mémoire, moi, de vos comportements pendant cette Coupe d'Europe, mais l'engouement que ça a suscité à Montpellier, c'est quand même... Ça vous a marqué, ça, quand même, parce que le club de Montpellier n'a jamais fait un parcours comme ça en Coupe d'Europe. Bon, après, il y a eu la Ligue des Champions, bien sûr, mais quand même... Qu'est-ce que vous avez ressenti quoi de voir le peuple païadin, le peuple montpelliérain? Moi, personnellement, pour moi, c'est un souvenir exceptionnel, surtout les relations avec les supporters. Pour les supporters, on a donné une satisfaction exceptionnelle. Les parcours qu'on a fait, c'est pas par n'importe qui, c'est l'équipe qui a des qualités en Europe, y compris surtout à Bucarest, mais
Ils trouvaient à l'époque Manchester United à l'époque, ben c'était des clubs des traditions, des clubs de grande qualité. Donc ça a été pour moi une grande satisfaction que je pouvais, avec mes joueurs, parce que c'est les joueurs qui décident sur le terrain. Moi, je peux uniquement donner les coups de main pour leur, bien sûr, pour leur donner des moyens à jouer avec leur qualité. De toute façon, avant chaque match, ce que j'ai dit, écoutez, individuellement, chacun doit donner quelque chose au service de l'équipe. Mais ses qualités, pas les défauts, parce que nous, on est tous formés par les qualités et défauts. Mais par contre, l'équipe est formée par les joueurs qui donnent les services à l'équipe par leur qualité. Et j'insistais toujours sur la qualité des joueurs. Et je n'ai jamais parlé de leurs défauts. Parce que ce n'est pas intéressant, surtout dans un moment difficile. Et il ne faut pas... Vous sentiez qu'il fallait tenir l'équipe comme ça. Comme ça. Dans la manière, c'est qu'il faut mettre devant leur qualité que parler de leurs défauts sur le terrain. Donc, j'ai joué sous la psychologie un peu, sous les mentales des garçons. La préparation s'est faite quotidiennement. Elle était faite pour notre objectif, c'est-à-dire par rapport aux exigences qu'on a eues vis-à-vis de cette compétition. Donc, rigoureux, bien sûr, sérieux, et à part tout ce qu'on a. On a essayé de travailler sur les plans techniques, tactiques, sur le terrain. Avant de parler de Manchester, parce qu'on ne peut pas parler de Coupe d'Europe avec vous sans parler de Manchester, j'ai une petite question annexe, Henri. Quels ont été vos rapports avec Louis Nicolin pendant ce moment-là? Est-ce qu'il s'est pris au jeu? Non, pour moi, Loulou, il reste toujours le même. C'était quelqu'un exceptionnel pour moi, un président vraiment... Qui m'a beaucoup aidé à un moment difficile, parce qu'il a utilisé des phrases parfois dans la discussion très simples, très directes. S'il a dit Henri, cette situation, il faut réagir. Il n'a jamais augmenté sa voix, il n'a jamais aidé. Il était, on peut dire, très communicatif avec moi. Donc, jamais quelque chose méchante. Dans la manière qu'il a toujours fait, ce qu'il a pensé, c'est difficile toujours à dire. Moi, je me souviens que c'était à Eindhoven, ouais, et que quand je n'ai pas mis Valderrama, il ne savait pas. Après la causerie, on s'est retrouvé dans l'ascenseur. Et puis il a dit, coach, alors t'as fait ton équipe? J'ai dit oui. Il y a une surprise. J'ai dit bon, j'ai décidé à ne pas faire jouer Valderrama. Ah mais coach, ça c'est à vous prendre la responsabilité, la responsabilité. Votre choix. Hein. Vous avez fait. Hein. On va voir qu'est-ce qui ça donnera. C'est tout. Hein? Et puis après, les matchs, il a pas dit, par exemple, oh, vous avez très très bien fait, etc. Il a dit, bon, vous avez fait dans un moment où peut-être ces matchs, c'était important. Sans excès. Et il n'était jamais... Dans vos rapports à vous deux, parce que sur le terrain, quand même... Ah, ça c'est différent. Oui, mais ça c'est des réactions explosives, par exemple, réactions sans contrôle. Hein. On réagit parfois sans se contrôler. Aussi, c'est le personnage. De toute façon, quelqu'un inoubliable, quelqu'un qui... Et avec lui, je travaillais dans les meilleures conditions. De toute façon, on a mangé ensemble, on a discuté souvent, etc. Et les relations avec les présidents Nicolas, elles étaient, très très bonnes, humaines. Henri, première surprise, le petit poussé du Montpellier Hérault fait tomber Eindhoven.
Et puis après, bon, c'est le Steaua Bucarest. Alors là, tous les rêves sont permis, mais on se dit qu'au bout du bout, bon, à un moment donné, l'aventure va s'achever. Et voilà, Manchester United. Mardi 18 décembre, là, midi. La petite colonie montpelliéraine est fidèle au rendez-vous du football européen. Les télés étrangères sont également présentes. Sept adversaires sont encore possibles. Manchester United. C'est donc le vainqueur de la Cup qui est sorti.